Hello les amis de la boîte, allez aujourd'hui on va parler un peu de Mini Z, mais rapide, je vais vous montrer la config de mon châssis MA10, donc sur la vidéo c'est la Corvette blanche et jaune. Donc bon, dessus je vous avais déjà présenté ici la roue libre qui permet de faire un frein à main avec la Mini Z, c'est-à-dire que quand vous roulez, vous relâchez tout. Il y a une roue qui se bloque, vous tournez dans un sens et là, par exemple dans ce sens-là, cette roue-là va se bloquer et ça va vous permettre de faire un frein à main. Ça, c'est quand vous relâchez les gaz. Mais c'est surtout sur l'arrière, là, j'ai tout passé en alu. J'ai changé aussi ma couronne, enfin le pignon et la couronne. J'ai mis un pignon un peu plus grand pour avoir moins de puissance au démarrage. Donc il est nettement mieux, j'arrive à drifter beaucoup mieux. Donc il faut penser au moteur, surtout de mettre les petites cales hein, adéquates là-dessus. Et j'ai mis une roue libre, j'ai mis un différentiel donc bloqué avec des jolis cardans en alu. Donc avant c'était ce truc-là, vous voyez, le différentiel classique. Donc vous le démontez au niveau des vis qui est là. Vous mettez de la colle, et là, vous avez un différentiel bloqué. Mais allez, je me suis dit, une petite option ne fera pas mal. Et pareil, hein, vous voyez, ça c'était les cardans d'origine. J'en ai mis aussi dessus. Après, une option vraiment top aussi, c'est que vous pouvez mettre des beaux petits roulements un peu partout. Mais je trouve qu'avec ce châssis-là, les roulements, j'ai moins de jeu. Et du coup, je drifte beaucoup moins bien. Donc du coup, j'ai tout relaissé en origine. Avec les bacs plastiques. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je voulais me faire plaisir, mais je drifte beaucoup moins bien avec un châssis sans jeu. Du coup, voilà, vous voyez, j'ai du jeu partout. Mais ça drifte. Et dernière petite option... C'est ici. Alors là, j'ai rajouté une pièce. J'avais cette pièce-là avant. Et là, j'ai mis un offset de moins 1. Donc si vous voyez à peu près, en fait, j'ai plus de pincements sur les roues arrière. Du coup, en fait, mes points d'appui sont ici. Au lieu d'être ici centrés, ils vont être plus sur le coin. Donc j'ai moins de contact avec le sol. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment une tuerie. Je ne savais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Donc c'est du moins 2 si je me souviens bien. Ou du moins 1. Non, c'est du moins 1. Donc voilà, allez. Le petit tour de la machine est fini. Je vous dis à la prochaine et bonne vidéo.